Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog et il y a le petit chat qui hurle, désolé. Du coup on est mardi 16 février et en fait tout à l'heure je suis allée chez le médecin, je suis allée chez le gastrologue et du coup j'en ai profité pour aller en ville faire quelques trucs et notamment du coup je suis allée chercher des colis Vinted qui sont des colis de livres. Du coup je me suis munie de mes ciseaux et je vais pouvoir ouvrir ça avec vous. Donc voilà, je me souviens des livres que j'ai commandés, j'ai pas oublié. Alors du coup c'est parti pour le premier. Waouh, c'est bien impacté. En fait le problème c'est est-ce que je vais réussir à tout découper sans trop abîmer l'emballage, parce que j'aime bien garder les cartons. Ouais, je me prends complètement comme un manche. Ah bah, monsieur bêtise là. Tu pues. Ah voici en fait. C'est bon, j'ai trouvé. Comment ouvrir? Non mais n'importe quoi, je vais mettre 30 ans à ouvrir des colis. Alors je suis désolée si vous entendez et que vous voyez les chats faire des bêtises derrière, mais c'est que comme ils ont dormi toute la journée, et bah forcément du coup maintenant ils sont surexcités. Oh, la dame elle m'a même mis un joli marque-page. Ouah, il est joli en plus. Trop cool, c'est sympa. Alors, ça c'est le colis avec... Ah oui, c'est le colis où je me suis trompée, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais vous montrer tout ça, ok. Oh bah non, il est abîmé, oh non. C'est pas grave, ils sont un peu défoncés les livres. Alors en fait, j'ai fait une commande et du coup j'ai reçu ces livres-là, tatatam, parce que en fait je cherchais QCL de Jacqueline Carey et en fait je me suis trompée, j'ai pris Imriel qui est du coup je crois la deuxième trilogie qui va après QCL, alors que c'est QCL que je voulais absolument parce que tout le monde me parle de cette saga. Ça a l'air d'être vraiment trop cool, vraiment c'est une saga qui me fait super envie, enfin je dis saga mais je crois que c'est une trilogie, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cycles en fait, du coup c'est peut-être, vaut peut-être mieux dire une saga. Bref, c'est une saga que j'avais très envie de lire et du coup j'ai fait ma petite recherche sur Vinted. Et comme j'ai reconnu la fleur, le design de la couverture et tout, j'ai pas réfléchi et je l'ai commandé directement avec les autres. Alors qu'en fait, bah ça c'est la suite. Enfin après, je me suis trompée, je me suis mélangée dans ma tête. Du coup, je me retrouve avec le premier tome de la deuxième, enfin du deuxième cycle. Et j'ai toujours pas du coup bah, le premier cycle. Donc voilà, j'en ai profité pour commander à la même personne le signe de Raymond Coury et le dernier templier de Raymond Coury, qui sont des livres qui ont été recommandés par Morgane de la chaîne Histoire de mots. Elle a dit que par exemple si on aimait bien Dan Brown, ça pouvait nous plaire. Et comme j'avais, enfin moi j'aimais beaucoup Dan Brown quand j'étais petite, je lisais ça. Ma maman les avait tous, j'avais adoré. Comment ça s'appelait ces trucs là avec Ange et Démon, tout ça, et j'avais adoré Deception Point aussi, enfin bref, j'aimais beaucoup ça quand j'étais petite et du coup comme j'avais envie de lire un petit peu, autre chose que de la SFFF, envie de lire de, enfin un petit peu envie de varier mes horizons littéraires, et bah du coup j'ai pris ça et j'ai également pris du coup, mais alors ça je suis un petit peu dégoûtée qu'il soit abîmé quand même, il est, en vrai ça va. Mais c'est surtout que je croyais que c'était l'intégrale. Je me suis plantée. Bon, c'est pas grave. Bref, du coup, j'ai pris Hyperion de Dan Simmons, qui est du coup, ouais, voilà. En fait, je pensais que j'avais pris l'intégrale, mais finalement, du coup, c'est que le premier tome. Bah, tant pis, dans tous les cas, faudra bien commencer par le premier tome si je veux lire la saga. Donc, voilà, j'ai pris Hyperion. C'est une saga qui me fait envie depuis un moment déjà, parce que c'est un classique de la science-fiction. Dan Simmons, c'est quand même un auteur qui est très reconnu, qui est très recommandé, et que, bah, du coup, j'avais envie de découvrir. Donc, voilà, j'ai pris ça. Donc, voilà. Bref, je disais, du coup maintenant je vais pouvoir ouvrir le deuxième colis et normalement dans le deuxième colis il y a des livres qui vont m'amener vers un sujet dont je voulais vous parler. C'est un truc qui me trotte un petit peu dans la tête depuis quelques temps et qui me trotte dans la tête depuis tout à l'heure quand j'ai regardé une vidéo, parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo sur YouTube, c'est la vidéo de Marinette Perrin qui s'appelle... Marinette Perrin, c'est une femme féministe que je connais pas et que je connaissais pas... que je ne connaissais pas, pardon, enfin je connaissais pas très bien, en fait je crois qu'il y a une vidéo elle que j'avais déjà vue, mais je la connaissais pas trop bien à côté de ça, et en fait c'est une copine du Discord, Momot, donc une des membres de la team Morgane qui m'en a parlé, j'ai regardé une de ses vidéos, bref je parle trop, mais tout ça pour dire qu'il y a une de ses vidéos qui s'intitule « J'ai décidé de lire que des autrices femmes », enfin « J'ai décidé de lire que des autrices » et ça fait rager les réactionnaires. Et en fait la vidéo est incroyable, vraiment je vais ouvrir mon colis et je vous parlerai tout ça après. Mais bref, quoi, je peux peut-être vous en parler en ouvrant le colis, vu le temps qu'il me faut pour ouvrir un colis. Alors, du coup, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, c'est une vidéo qui est super... Qu'est-ce qu'ils font? Bref, du coup, je disais qu'en fait, c'est... je bug et je suis fatiguée et je vois des trucs qui passent dans le champ depuis tout à l'heure.
Je disais donc que c'est une vidéo qui était vraiment super intéressante et quand j'ai terminé la vidéo, vraiment j'ai senti que ça m'avait fait quelque chose, ça m'avait un petit peu chamboulé parce qu'elle a parlé de choses en fait, c'est des choses que individuellement je connaissais déjà ou j'avais déjà entendu parler, mais tout rassemblé comme ça, mais qu'est-ce que t'as toi? Mais en fait, mais du coup, en fait, tout rassembler les idées comme ça m'a vraiment fait un choc en fait. Et ça m'a fait réaliser que finalement, je lisais assez peu d'autrices. Je n'ai toujours pas ouvert le colis. Trop cool, je suis trop contente. Bon, ils sont en super état. Merde, bah si je les fais tomber, ils vont pas rester en bon état longtemps. Alors, celui-ci, il est un tout petit peu plié, mais c'est pas grave. En fait, j'ai fait une commande sur le Vinted d'une personne parce qu'il y avait un lot de livres. Là, il y a 6 livres de science-fiction, c'est que de la science-fiction, notamment des livres de la collection Folio SF que j'aime vraiment énormément. J'aime beaucoup cette collection. Je trouve qu'ils éditent vraiment des livres de qualité. Bon, en fait, ils éditent des livres de qualité. Ils rachètent beaucoup des titres parus chez De Noël. Donc, du coup, voilà, bref. Mais arrêtez d'être chiant, là, les chats, c'est pas vrai. Du coup, je disais donc qu'il y avait ce lot de 6 livres de science-fiction pour 10€. Et notamment, il y avait ce livre-là que je voulais absolument lire. C'est un roman de science-fiction historique. On va commencer l'histoire en 1663 en suivant, en fait on va, c'est un peu une fresque historique sur le sujet de l'intelligence artificielle. Mais arrête, c'est trop chiant ce chat. Sur le sujet de l'intelligence artificielle et de la technologie, et du coup on va avoir plusieurs époques, enfin, en fait on va suivre plusieurs personnages à plusieurs époques, en 1663, en 1928 avec Alan Turing, en 1968, et ensuite on passe à quelque chose de plus dans la veine de l'anticipation, en 2035, en 2040. Et en fait du coup on a, enfin bref, c'est un roman qui va parler d'intelligence artificielle à travers une espèce de point de vue historique sur la science. Et du coup en fait dans la même commande il y avait ces 5 autres livres là. Alors il y en a un qui m'intéresse, enfin que je connaissais pas particulièrement, qui m'intéresse pas plus que ça. Par contre il y avait ces 2 autres livres du coup toujours chez Folio SF qui étaient dans la commande. Il y a Exode de Jean-Marc Ligny, c'est un auteur de science-fiction français, et en fait j'ai un autre livre de lui dans ma pile à lire qui s'appelle À quoi, mais À quoi il est encore plus épais. Déjà celui-ci il est pas mal, il fait 700 pages, un petit peu moins de 700 pages. Du coup ça c'est un roman apo post-apo où finalement le réchauffement climatique a un petit peu éradiqué toute vie sur Terre, donc les récoltes, les animaux, et a rendu malade énormément d'humains, bref ça a tout déréglé. Et en fait, bah, c'est la galère pour survivre. Il y a des gens qui en sont réduits, enfin des gens qui ont formé un groupe qui s'appelle les Mange-Morts, mais rien à voir avec Harry Potter. Des gens qui sont devenus cannibales en fait et qui vont manger les personnes humaines mortes. Et du coup, ouais, il y a des personnes comme ça, et il y a aussi des personnes qui essaient de rentrer dans des espèces d'enclaves qui sont des villes protégées par des dômes. Mais en fait, apparemment, il y a tout un tas d'enjeux compliqués autour de ces villes. Et voilà, bref, ça a l'air d'être super intéressant parce que ça a l'air d'allier un petit peu un aspect dystopique, un aspect thriller et un aspect post-apo, donc ça a l'air d'être vraiment très chouette. Celui-ci il me fait vraiment très envie. Et dans la commande il y avait également ce livre, donc du coup toujours chez Folio SF, qui est du coup Amamnès de Lady Star de L.L. Cloetzer, qui est un livre que j'avais déjà vu sur internet et que j'avais pas pris, enfin bref c'est un livre que j'avais déjà vu passer, qui me faisait envie. Du coup ça tombait pile poil qu'il soit dans la commande parce que c'est un livre qui m'intrigue beaucoup. En fait on est dans un futur pas très lointain, j'ai l'impression, un futur plutôt proche de nous, où va y avoir un attentat et du coup va y avoir une énorme, en fait il va y avoir un attentat qui va créer une énorme pandémie mondiale et qui va tuer les 3/4 de la population. Et en fait cet attentat il a été créé par une personne qui s'appelle Lady Star, et en fait le problème c'est que c'est impossible de retrouver une trace de cette personne, c'est comme si elle avait jamais existé, toute trace a disparu. Et en fait va y avoir une espèce d'enquête. Voici le récit d'une enquête de l'Asie à l'Europe, des terres dévastées jusqu'aux sociétés hyper technologiques de l'après-catastrophe, un jeu de pistes doublé d'une plongée dans les archives digitales de notre futur, avec le plus fou des enjeux, refermer la boîte de Pandore. Bref, le résumé est assez mystérieux, mais je vous avoue que ça me fait bien envie, enfin ce côté thriller post-apo là encore, bah ça me plaît beaucoup, ça me fait, ça a l'air d'être chouette. Et dans le colis, il y avait également ces deux livres en fait, qui sont des livres qui me font très envie tous les deux. Le problème c'est que c'est des tomes 2, alors je savais en faisant la commande que c'était des tomes 2, notamment pour celui-ci qui est du coup les Chroniques du Rage tome 2 de Anne Leckie. Anne Leckie c'est également une autrice de science-fiction que j'ai décidé de découvrir cette année ou l'année prochaine, et justement les Chroniques du Rage ça m'a été pas mal recommandé, donc du coup j'avais prévu de lire le tome 1, donc voilà, du coup maintenant je vais lire le tome 1 et si ça me plaît bah du coup j'aurai le tome 2 à disposition. Et, et voilà, et bah du coup voilà pour mes achats du coup de Vinted. Et en fait le sujet dont je voulais vous parler, je crois que je vous en parlerai une autre fois, enfin le fait de lire que des femmes et tout, parce que là je suis fatiguée et j'ai envie de prendre mon goûter devant une vidéo, donc je vais aller faire ça. Et
on en parlera plus tard, surtout qu'en plus ce serait bien que je cogite encore un petit peu là-dessus, parce que j'aimerais bien aboutir un petit peu ma position sur cette idée-là de est-ce que ça m'intéresserait, moi personnellement, de lire que des femmes, et est-ce que ça... Enfin bref, faut que je réfléchisse à ça. Vous allez me dire, de toute façon tu viens de faire un book haul où t'as acheté beaucoup d'auteurs masculins, du coup je vais pas lire que des femmes, mais bref, en tout cas c'est quelque chose auquel il faut que je réfléchisse, et je vais y réfléchir, et puis bah, je vous en parlerai peut-être demain dans la semaine de qu'est-ce que... Bref, de tout ça. Donc voilà, et bah du coup sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et voilà, à plus tard. Du coup on est mercredi, je reviens juste des courses, et avant que Guillaume arrive du coup bah, je voulais vous reparler un petit peu de ce que je... enfin de la conversation, enfin je voudrais vous reparler du sujet que j'avais commencé à aborder hier à propos de lire que des femmes et de ce que j'en pensais, et moi comment je voudrais un petit peu développer cette idée mais adaptée à ma situation et à mes envies de lecture. Mais du coup avant de vous parler de ça, je voudrais bah, vous parler de mes lectures en cours, parce que du coup je réalise que hier je vous ai parlé de plein de choses mais je vous ai pas parlé de mes lectures en cours. Alors en lecture en cours j'ai le premier tome de Justicière, donc le tome 3 des Archives de Rochard de Brandon Sanderson, parce que le mois prochain pour le Brandersaton que j'organise, j'ai prévu de lire le tome 4 et je voulais du coup bah, me remettre un petit peu les idées en place de ce qui se passait dans le tome 3, replonger un petit peu dans cet univers que j'aime beaucoup. Alors à la base je m'étais prévu un rythme de lecture de 300 pages par jour, parce que bah, comme c'est une relecture il y a des passages que je saute un petit peu et c'est une lecture que je voudrais faire vite. En fait c'est pas une lecture que je fais pour mon plaisir, même si ça me fait plaisir de la lire, c'est une lecture vraiment pour me remettre les trucs en tête, donc j'ai pas envie de m'attarder trop longtemps dessus. Donc je voulais lire 300 pages par jour et en fait j'ai pas eu le temps, là je suis à la page 460 en deux jours parce que bah, j'ai fait pas mal de trucs finalement hier et avant-hier, donc j'ai pas eu le temps beaucoup de lire et voilà. Mais honnêtement j'aime beaucoup, j'adore les Archives de Rochard, je suis trop contente de me replonger là-dedans, même si le tome 3 c'est celui que j'ai le moins aimé. En fait j'ai tellement aimé le tome 1, la découverte de cet univers, de ces personnages qui étaient absolument magiques, et le tome 2 il est incroyable, le tome 2 il est épique, il se passe des trucs de fou, on a des révélations, c'est vraiment trop cool. Mais c'est pas vrai ce chat, mais vous le voyez là, il va revenir m'embêter. Fais pas tes griffes. Non mais vraiment, je peux pas être tranquille, mais je pense que si vous avez des chats et que vous faites des vidéos YouTube, vous savez de quoi je veux parler. Ils vont être super sages toute la journée et au moment où vous allumez la caméra, ils deviennent... Bah ils vont commencer à faire des bêtises. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup le tome 3, mais c'est celui que j'aime le moins pour l'instant. Notamment, il y a une sous-intrigue à propos d'un personnage que je suis pas hyper fan. C'est à propos du personnage de Shalane, qui est un personnage que j'aime bien, mais je suis pas hyper fan du développement qu'il y a sur ce personnage dans le tome 3. Donc du coup c'est des passages que je saute un petit peu vite parce que bah du coup je sais déjà ce qui se passe. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien, là je suis à la page 460. Alors ce serait vraiment trop cool si j'arrivais à le finir ce soir, mais à mon avis je vais plutôt le finir demain. Parce que voilà, j'aimerais bien aller un petit peu vite sur cette lecture pour pouvoir lire d'autres choses. Et voilà, j'ai aussi en cours Lumière Noire de N.K. Jemisin, qui est le recueil de nouvelles sur lequel j'ai pas avancé depuis super longtemps, parce que finalement le rythme de lecture, d'être obligée de lire deux nouvelles par jour, ça me convient pas trop, parce que je suis pas... j'aime pas trop être contrainte à me poser pour lire un truc, enfin vous voyez ce que je veux dire, je suis... Donc du coup bref, tout ça pour dire que je suis super en retard sur notre lecture commune, enfin pas tellement en retard parce que je crois que Gaëlle m'a dit qu'elle avait lu que 3 nouvelles de plus que moi, donc ce serait quand même bien que je les rattrape pour que je puisse lui proposer un nouveau rythme de lecture, sachant qu'elle risque d'être pas mal occupée dans les jours à venir avec ce qu'il attend. Mais bref, dans tous les cas je voudrais quand même continuer ça parce que j'aime beaucoup, et en plus j'avais dit dans le précédent vlog que lire les nouvelles ça m'inspirait énormément. N.K. Jemisin c'est vraiment une femme que je trouve hyper inspirante, et ses textes aussi je les trouve vraiment vraiment inspirants, donc ça me donne envie moi-même d'écrire des trucs. En fait je trouve que se plonger dans ces univers ça ouvre tout un tas de trucs dans notre esprit. Vous allez me dire je suis totalement complètement folle, mais vraiment je trouve que elle est tellement créative, imaginative, elle a tellement
un regard unique et particulier sur le monde que je trouve que bah, la lire, c'est hyper enrichissant. Mais quand même, je dois bien avouer qu'en fait, comme les nouvelles, c'est pas un format que j'affectionne énormément, bah j'ai pas forcément hyper envie d'aller dessus. Finalement, je râle un petit peu toujours pour commencer ma nouvelle. Et une fois que j'ai terminé, je suis trop contente de l'avoir lu, mais c'est le début. En fait, c'est me mettre à lire la nouvelle et le début de la nouvelle, je suis pas fan. Une fois que je suis à la fin, je suis très contente de l'avoir lu. Mais bref, voilà. Du coup, ça, c'est mes lectures en cours et j'aimerais bien avancer dessus. Parce que le 10 février, du coup je sais pas si ce vlog sera déjà paru, le 10 février, pas du tout, le 20 février, on a prévu de faire une lecture commune de Manèche, le tome 1 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau. C'était pas prévu du tout en fait, parce que j'aime beaucoup les lectures communes, mais j'avais prévu de ralentir le rythme, parce que même si je trouve ça trop cool les lectures communes, j'adore le fait qu'on puisse partager tous ensemble, bah, soit qu'on partage autour d'une lecture entre copains, donc on rigole beaucoup, soit avec des gens qu'on connaît pas, et du coup on fait des rencontres, c'est vraiment trop cool de parler ensemble d'un livre. Mais le problème des lectures communes, c'est qu'il y en a eu beaucoup en ce moment. Il y a eu une grosse hype des lectures communes et c'est chouette, mais en même temps les lectures communes, bah ça met une forme de pression, on a envie de participer à tout et du coup ça enlève un petit peu une part de liberté, de spontanéité dans les lectures, donc j'avais envie de lever le pied et de, bah voilà, juste de plus trop en faire à part les trucs que j'avais déjà prévus. Mais finalement en fait dans le Discord on parlait de Manèche et on était plusieurs à l'avoir dans notre pile à lire et à avoir envie de le lire, donc du coup bah comme on était plusieurs à avoir très envie de le lire, on s'est dit bah pourquoi pas le lire ensemble. Et finalement bah le moment qui nous arrangeait le plus, le moment le plus arrangeant, c'était de le lire ce mois-ci. Donc bah voilà, c'est un petit peu une lecture sauvage, un truc totalement imprévu, mais c'est chouette, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps. Mais du coup bah ça me bouleverse un petit peu les trucs que j'avais prévu de lire en février, parce qu'il me restait quelques livres à lire du Cold Winter Challenge. J'avais aussi prévu une pile à lire pour le février Tapal que bah du coup j'ai pas du tout respecté, enfin je l'ai respecté en début de mois, mais là à la fin du mois je suis plus du tout, je respecte plus rien. Et voilà, et il y a aussi le fait que j'avais prévu de commencer à réfléchir à une pile à lire un petit peu combo pour bah voilà, pour faire comboter ensemble tous les challenges qu'il y a en février et en mars, parce que du coup en février mars il y a le Romantasy Challenge de Nina Quill et en mars il y a bah, le Brandersaton que j'organise, et surtout il y a le Readathon organisé par Perfect Flow. Et j'adore les challenges, j'adore faire des piles à lire pour les challenges, vraiment je pense que vous le savez parce que je le dis à chaque fois, mais faire des piles à lire, faire des listes de livres, c'est le truc que je préfère au monde. Et du coup j'avais très envie de faire une pile à lire un petit peu qui me permettrait de remplir beaucoup de catégories de ce challenge. Ah oui, et j'ai oublié aussi, je suis rentrée dans une équipe pour le challenge SFFF organisé par Évasion Littéraire, du coup bah j'ai envie forcément de cocher des cases pour mon équipe et de faire gagner des points à mon équipe, donc du coup j'ai envie de me faire une pile à lire qui permettrait de remplir un maximum de catégories de ces challenges. Et voilà, j'ai commencé à réfléchir à ça. Et voilà, de toute façon je pense que si je fais la pile à lire, je vous la présenterai en vidéo. J'ai même prévu en fait de la préparer et de faire la vidéo pour vendredi, mais là on est mercredi et j'ai rien fait, donc ça va être un petit peu court, mais je pense que je vais faire ça quand même. Donc voilà, bref, et du coup pour en revenir à la discussion d'hier à propos de la vidéo de Marine Perrin, je vous invite vraiment à regarder sa vidéo parce qu'elle est hyper claire. Elle énonce énormément de faits et d'arguments que je pourrais vous résumer, mais elle le fait tellement bien, elle est tellement claire dans son propos que je pense que le mieux c'est de la regarder parce que je l'expliquerai jamais aussi bien qu'elle. Donc voilà, en fait elle explique en gros qu'elle a décidé d'arrêter de lire des hommes parce que finalement quand elle lisait des hommes elle en avait marre d'avoir un regard d'homme sur les femmes et qu'elle préférait avoir un regard de femme sur le monde pour bah, mieux se reconnaître dans les personnages, mieux se reconnaître dans les propos, pour avoir voilà, pour être plus en accord finalement avec les livres et la littérature, bah de lire des autrices parce que c'est ce qui lui convenait le mieux. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément en fait, toutes ces réflexions autour de est-ce qu'on peut lire que des hommes ou que des femmes, est-ce qu'on peut lire que des femmes et tout. Moi je trouve ça très cool, je trouve que c'est un geste politique qui est fort et qui est très intéressant, et je suis vraiment bah, très contente qu'il y ait quelqu'un qui en ait parlé et qui se soit lancé dans cette expérience et qui en parle autour d'elle. Et du coup en fait toute cette vidéo ça m'a amené à réfléchir à ma propre consommation de littérature et est-ce que je lisais autant d'hommes que de femmes. Alors évidemment, enfin évidemment c'est ça le problème en fait, c'est que je dis évidemment, je lis beaucoup plus d'hommes que de femmes et c'est assez triste, mais c'est vrai que bah en littérature de l'imaginaire les femmes sont quand même moins représentées, sont moins éditées, sont moins mises en avant par les maisons d'édition, même si c'est une tendance qui a tendance pas à s'inverser, mais on est dans une tendance où tout ça se rééquilibre et on commence à remettre en avant des femmes. Bref, du coup tout ça pour dire que malgré le fait que je sois féministe et que je veuille absolument lire plus de femmes, en regardant ma bibliothèque
bibliothèque pile à lire et en comptant les livres, que même si j'avais envie de lire plus de femmes, bah finalement j'avais pas les actes en accord avec ça et que je n'achetais pas plus de femmes, que je continuais à acheter toujours des hommes et un petit peu moins de femmes, ce qui fait que bah forcément mon ratio s'équilibre pas. Et voilà, j'ai compté dans ma pile à lire avant de recevoir le colis que je vous ai déballé hier. Pour une centaine de livres dans ma pile à lire, il y avait une vingtaine de livres écrits par des femmes. Donc voilà, on est quand même bien en dessous de la moitié et ça m'a posé problème et ça m'a amené à réfléchir à du coup bah, ce que je voulais faire de ça et est-ce que je voulais changer mes habitudes. Et du coup, en fait, après un long débat avec moi-même, j'ai pas envie de lire que des femmes parce qu'il y a trop de livres écrits par des hommes qui me font très envie, que j'adore. Bah vous le savez, j'adore Brandon Sanderson, j'adore Steven Erikson, enfin je les adore pas eux personnellement, pas particulièrement Steven Erikson. Il m'a l'air d'être un peu chiant comme mec, mais j'aime beaucoup son œuvre et du coup j'ai pas envie de me priver de bonnes lectures ou de choses que j'aime pour ça. Mais par contre j'ai décidé de vraiment mettre en acte et de vraiment faire l'effort d'acheter plus de femmes et de lire plus de femmes. Donc ça va commencer par acheter plus de livres de femmes. Donc là comme j'ai déjà beaucoup d'hommes dans ma pile à lire, ce qui serait bien c'est que mes prochains achats ce soit des livres écrits par des femmes tout simplement. Comme ça me permettra de rééquilibrer un petit peu le ratio homme-femme dans ma pile à lire. Donc voilà, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, qu'il y en a qui vont dire oui mais l'essentiel c'est le livre, peu importe s'il a été écrit par un homme ou par une femme. Bah en fait je suis pas d'accord avec ça parce que déjà que le livre il est écrit par un homme ou par une femme, par une personne blanche ou par une personne de couleur, par une personne hétérosexuelle ou par une personne LGBT, bah il n'y a pas du tout le même regard sur le monde, il n'y a pas du tout la même... En fait c'est pas du tout pareil et certains sujets sont pas abordés de la même façon et en plus c'est quand même un acte politique de mettre en avant certaines personnes, donc là en l'occurrence des minorités, et moi c'est quelque chose que je soutiens. Donc voilà, bref, et bah tout ça pour dire, vraiment beaucoup de blabla pour pas grand chose, tout ça pour dire que je vais essayer d'acheter moins d'hommes et de lire plus de femmes, d'acheter plus de femmes pour pour être plus en accord, enfin pour être plus raccord finalement avec mes idées et avec mes envies. Donc voilà, finalement j'ai beaucoup trop parlé, j'ai fait beaucoup trop de circonvolution pour pas grand chose, mais voilà. Du coup avec tout ça qui me trottait dans la tête, hier soir j'ai fait des changements dans ma bibliothèque pile à lire et j'ai fait une étagère avec que des autrices, du coup, enfin avec mes livres à lire écrits par des autrices, et je vais vous montrer le résultat. Finalement on voit quand même la disproportion, parce que du coup sur les 5 étagères de pile à lire il y en a une pour les femmes et les 4 autres c'est écrit par des hommes. Donc voilà, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer très rapidement à la caméra les livres que j'ai dans ma pile à lire du coup de femmes, et puis ensuite on pourra parler d'autre chose. Voilà, bah du coup sur ce je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de trucs à faire et voilà, je vous reprends dans la semaine si j'avance mes lectures et puis voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi matin et il est 9h42, dans une heure j'ai rendez-vous chez le médecin et ce sera mon dernier rendez-vous médical de la semaine, donc j'ai hâte que ce soit passé parce que c'était un petit peu chiant d'avoir... tous ces rendez-vous médicaux cette semaine, enfin tous ces rendez-vous, 3, c'est pas énorme mais c'est quand même déjà beaucoup trop je trouve. C'était mardi, c'était gastro, hier c'était psychiatre et aujourd'hui c'est médecin généraliste, donc je vous avoue que j'ai quand même hâte d'en finir et normalement comme ça je serai tranquille pour au moins quelques semaines. Donc voilà, je dois faire ça ce matin, en revenant j'aimerais bien passer, faire quelques courses, bon, en même temps j'ai un petit peu la flemme, je me dis si ça pouvait attendre lundi ce serait cool. Bref, du coup sinon hier j'ai terminé du coup la première partie de Justicière, donc le tome 3 des archives de Rochard, et c'était vraiment très très chouette, vraiment c'est un plaisir tellement incroyable de se replonger dans cet univers. En fait, ce que j'apprécie et que j'apprécie encore plus à ma relecture, c'est tous les petits détails de l'univers. À la fin de la partie 1, il y a quand même pas mal de choses que j'avais oubliées, pas mal de révélations, de trucs assez cool, et j'avais tout oublié. Vraiment, j'avais oublié des trucs même super importants. Donc je suis contente de l'avoir relu. D'ailleurs, il faut vraiment que je pense à prendre des notes parce que sinon je me dis que c'est possible que j'oublie une deuxième fois. Donc voilà, j'ai terminé ça hier et là j'ai commencé hier soir le deuxième tome. J'en suis à la page 150, donc voilà, je vais continuer ça aujourd'hui. Dans l'idéal, il faudrait que je le termine, mais il doit me rester, il me reste 700 pages à lire, donc je pense pas le terminer aujourd'hui. Mais en fait, la lecture commune
une de manège du tome 1 du Sentier des Astres de Stéphane Plateau commence demain, donc du coup faudra de toute manière que je les lise en parallèle, donc ce serait cool que j'avance celui-ci au maximum aujourd'hui pour avoir du coup plus de temps pour la lecture de manège. Et voilà, de toute façon je vous l'ai dit, c'est une relecture, donc du coup je peux me permettre de passer certains passages. Donc voilà où j'en suis dans mes lectures. Bah du coup j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à hier. En fait, tant que j'aurais pas commencé le Sentier des Astres, j'aurais pas grand chose à vous dire, parce que bah sur les archives de Rochard, de toute façon je peux pas trop m'étaler parce que c'est un tome 3. Bah du coup je vais vous laisser là, je vais aller me préparer pour aller chez le médecin et je vous reprends ce week-end quand j'aurai commencé le Sentier des Astres de Stéphane Plateau. Et voilà, à plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est vendredi je sais pas combien, mais je crois que ça fait un moment que je vous ai pas parlé, parce que je crois que la dernière fois que j'avais allumé la caméra, il y a une semaine, quelque chose comme ça je crois, parce qu'en fait on est parti en vacances quelques jours en Savoie, on est allé chez un ami qui vit chez ses parents, et en fait ses parents étaient partis, donc du coup il y avait la maison pour nous tout seul, et c'est une grande maison dans la montagne, donc c'était vraiment trop cool, on en a profité, et on est parti quelques jours là-bas, on est parti lundi et on est revenu hier, donc voilà, c'est pour ça que finalement du coup je vous avais dit que je vous reprendrai après le week-end pour vous parler de mes lectures, et en fait je l'ai pas fait parce que une fois que j'étais là-bas en vacances en fait, j'avais plus tellement envie de filmer, et j'ai essayé de filmer un moment mais en fait j'avais la flemme, du coup finalement je me suis dit que ça attendrait notre tour, et du coup maintenant faut que je vous tienne au courant de mes lectures, de ce que j'ai lu là-bas et de ce que je suis en train de lire maintenant, comme là-bas en fait, mais je pense que je vous ai mis des images, ils ont une grande bibliothèque de bandes dessinées en fait, j'en ai profité pour lire 2-3 trucs, je m'étais fait une pile à lire pour les vacances et finalement j'ai pas trop, enfin une pile à lire de BD qu'il y avait là-bas, et finalement j'en ai pas lu tant que ça parce que finalement le roman que j'étais en train de lire me plaisait beaucoup, donc j'avais surtout envie de lire ça. Donc en bande dessinée du coup finalement j'ai lu le tome 5 et le tome 6 de la saga Les Vieux Fourneaux. C'est une BD humoristique que j'aime vraiment énormément, vraiment je la trouve hilarante et je me suis tapée de ces fous rires en la lisant. Vraiment je l'aime énormément, je trouve ça assez original comme concept, et en plus je trouve que c'est vraiment drôle, et j'aime beaucoup les illustrations aussi, bref c'est une BD que j'aime beaucoup. En fait c'est une série de BD dans laquelle on va suivre 3 hommes qui sont des personnes âgées, enfin pas vraiment des personnes âgées, mais disons qu'ils ont légèrement dépassé la fleur de l'âge, et qui en fait sont pas des en fait c'est 3 hommes qui sont amis d'enfance, et ils ont la particularité d'être des militants anarchistes, et du coup c'est vraiment très drôle, on les suit un petit peu dans leurs actions, dans leur vie, et c'est vraiment hilarant, et vraiment j'aime beaucoup cette alliance de à la fois c'est très drôle, il y a un message politique qui est assez intéressant, enfin c'est pas que c'est particulièrement original, le message politique il est assez classique, mais c'est vraiment très drôle, et en même temps ça allie avec une espèce de, comme c'est des hommes qui sont âgés, qui ont déjà vécu, ils ont leur casserole, ils ont tout un parcours derrière eux, donc il y a une forme de tendresse un petit peu aussi au niveau des personnages,
Ouais, vous avez compris. Et en plus, il va y avoir d'autres personnages qui vont arriver. Notamment, il y a la petite fille de l'un des messieurs qui arrive dans le tome 1 et qui en fait est enceinte. Et ça va déclencher tout un tas de voilà, enfin, ça va révéler quelques secrets de famille et tout. Donc voilà, c'est vraiment des bandes dessinées que je prends énormément de plaisir à lire. Donc si vous avez l'occasion un jour de mettre la main sur le tome 1, bah vraiment, je vous conseille d'essayer parce que c'est très drôle et c'est bah voilà, c'est très chouette à lire. Donc voilà, j'ai lu ça. J'ai aussi lu le premier tome de la BD Les Chevaliers d'Emeraude. En fait, je croyais que le premier tome c'était un premier tome normal, mais en fait c'est un prélude et du coup il se passe absolument rien. C'est vraiment très très chiant comme tome en fait, parce que juste ça va nous présenter les enfants avec des pouvoirs magiques qu'on va suivre par la suite. Enfin, je pense que vous connaissez probablement les Chevaliers d'Emeraude. Après, j'avais pas vu que c'était qu'un prélude. Je pense que si j'avais lu que c'était qu'un prélude, peut-être j'aurais essayé le tome 2 du coup où l'histoire commence vraiment, mais je suis même pas sûre parce que j'aimais pas du tout les illustrations. Vraiment, j'ai pas du tout aimé les illustrations, donc en fait, même comme ça, je me dis que j'aurais probablement pas continué finalement. Donc voilà, finalement, j'ai lu que ça alors que je m'étais sortie aussi L'Arabe du Futur que j'avais envie de découvrir. J'avais sorti plein de BD et que finalement j'en ai lu que 3 parce que j'étais en train de lire Manège de Stéphane Plateau, donc le premier tome de sa saga Les Sentiers des Astres, et j'étais, j'irais pas jusqu'à dire totalement à fond dedans, mais j'étais quand même bien happée par le récit. Du coup, quand j'avais envie de lire, j'avais surtout envie de retourner vers ça, donc finalement c'est ça que j'ai lu cette semaine. J'ai pas énormément lu finalement, enfin j'ai passé beaucoup de temps à lire, mais comme j'étais déconcentrée, enfin, la maison là-bas est tellement agréable que je lisais, j'étais affalée dans le canapé, et toutes les 5 secondes je me disais « Oh là là, il y a les oiseaux », ou « Oh là là, la vue sur la montagne est trop belle », ou alors « Oh, c'est agréable toute cette lumière », enfin bref. Du coup, j'étais pas hyper concentrée, et même si j'ai passé beaucoup de temps à lire, bah finalement en une semaine du coup j'aurais lu que ça, mais voilà, bref. Bref, du coup, Manèche était une lecture commune que j'avais organisée sur le Discord, on est plusieurs à l'avoir terminé, il y en a d'autres qui sont encore en train de le lire pour l'instant, et voilà, je suis très contente qu'on l'ait fait parce que ça a vraiment été une très très bonne lecture. Alors c'est pas un coup de cœur comme j'avais pensé que ça pourrait l'être, et c'est pas non plus une excellente lecture, vraiment c'est à la frontière entre la très très bonne lecture et l'excellente lecture, donc c'était quand même vraiment très cool, mais voilà, il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont un petit peu dérangée, notamment sur où il y avait, et j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, mais à part ça, c'était vraiment trop trop bien. En fait, c'est un récit qui est super original sur beaucoup de points et qui vaut vraiment le coup d'être découvert parce que je le trouve vraiment très beau. Déjà, la plume est magnifique, c'est super poétique, et en plus je le trouve vraiment original à la fois dans sa construction, dans les parties pris de l'auteur, dans la mythologie, dans vraiment vraiment, je l'ai trouvé super intéressant à lire, donc voilà. Alors pour l'histoire, alors en fait pour l'histoire, on est dans un royaume qui est en pleine guerre civile avec toute une mythologie religieuse qui est assez compliquée, mais je reviendrai peut-être dessus après. Et en fait, on va suivre un groupe de soldats qui sont tout au nord et qui vont, qui appartiennent du coup à un des camps de la guerre civile. Et en fait, ils ont prévu toute une expédition sur des bateaux pour remonter un fleuve, parce qu'en fait, dans cet univers, il y a une croyance comme quoi tout au nord du fleuve, en fait, il y a le roi Oracle qui vit. Et en fait, bah, si t'arrives à l'atteindre, à le retrouver, parce qu'il est caché très profondément dans la forêt, si t'arrives à le retrouver et qu'il accepte de te recevoir, tu peux lui poser une question et il t'aidera. Et comme c'est un oracle, bref, il pourra te donner des réponses à tes questions. Et en fait, on va suivre ce groupe de soldats qui a été envoyé là-bas pour retrouver le roi Oracle et lui poser une question. Sauf qu'en fait, ils sont dans une région du monde assez particulière parce que c'est tout au nord, il fait froid, c'est imprégné de toute une mythologie à la fois nordique mais pas exactement nordique, et il va leur arriver des choses. Et notamment, en fait, alors qu'ils viennent tout juste de commencer leur expédition, ils vont voir dans l'eau un homme qui est en fait accroché à des branchages et qui survit comme ça en s'accrochant à des branches dans le fleuve et qui est quasiment mort. En fait, ils vont le repêcher, ils vont le sauver, et ils vont du coup bah, se retrouver avec ce blessé sur les bras qui a les jambes brisées, qui est inconscient et qui en plus bah, il a l'air d'avoir été passé à tabac. Donc ça les inquiète énormément parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme qui vient du nord, donc là où on va, et est-ce que le danger qui l'a frappé bah, nous guette, et est-ce que en fait finalement est-ce que les gens qui l'ont blessé pourraient nous retrouver, et est-ce qu'ils vont s'en prendre à nous. Donc en fait bref, ils vont prendre cet homme avec eux. En fait, on va suivre un des soldats du coup, qui d'ailleurs est le barde, qui va être chargé de tirer les vers du nez du blessé pour essayer de comprendre qui il est, d'où il vient, et ce qui lui est arrivé, et est-ce que du coup bah, l'expédition est en danger s'il continue vers le nord. Sauf qu'en fait le blessé, bon déjà il est quand même vachement blessé, donc il est un peu dans les vapes, et en plus il va commencer son récit et on va vite comprendre
que c'est très mystérieux tout ça, que clairement il a pas envie de tout dire, et voilà, ça va être un petit peu ça l'histoire. Et du coup, en fait, la particularité de la narration, c'est qu'on va alterner les points de vue et la temporalité, parce qu'en fait, du coup, on va avoir le point de vue du barde qui, du coup, est sur le fleuve avec ses compagnons soldats et qui remonte vers le nord et qui en même temps essaie de, bah voilà, de faire parler le blessé, donc ça c'est la temporalité dans le présent, et on va voir une autre temporalité qui est du coup le blessé qui donc s'appelle Manesh, et c'est bah, de lui qui donne son titre au premier tome, qui va raconter son histoire depuis sa naissance jusqu'à bah, comment il en est arrivé là, sachant que Manesh du coup c'est pas un homme comme les autres, puisqu'en fait sa naissance a eu lieu dans des conditions très particulières et qu'il n'est pas totalement humain et qu'il est lié en fait à toute la mythologie des dieux etc, et que ça va avoir du coup énormément d'importance dans le récit. Donc voilà en gros pour ce tome 1, et je peux pas trop vous en dire plus sur l'intrigue. Par contre, au niveau de l'univers, je peux vous dire que je m'attendais à ce que ce soit quelque chose vraiment mythologie nordique. Et en fait, c'est pas ça. Enfin, il y a de la mythologie nordique, mais pas que, parce qu'il y a aussi énormément de mythologie, enfin, toute une inspiration indienne. Et j'étais vraiment super étonnée parce que ça fait vraiment un mélange de plusieurs mythologies, de plusieurs imaginaires. Et bon, c'était écrit derrière et je l'avais pas vu. Nanana, inspiré des légendes celtiques, hindoues et scandinaves. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment un syncrétisme de. Syncrétisme, je crois que le terme est approprié. Enfin bref, c'est vraiment un mélange de plusieurs, voilà, de plusieurs imaginaires, et ça fait du coup un univers qui est super intéressant, super original, et vraiment très déroutant parce qu'on a d'un côté, bah voilà, ce voyage vers le nord avec les forêts, avec les glaciers, les géants, et on a en même temps vers le sud, on a aussi tout cet aspect de l'univers qui est du coup plus inspiré de la mythologie indienne, avec des brahmines, avec des dieux soleil, enfin avec, je sais pas comment expliquer, avec, enfin par exemple, tout un tas de références en fait à une culture plutôt hindoue. En fait, vraiment, je trouve que tout le roman est super original et vraiment très déroutant. Déjà, il y a cet univers avec du coup ce mélange, pardon, des mythologies, mais il y a aussi qu'en fait, on est sur un roman fantasy où il y a une guerre civile, mais finalement, les tenants et les aboutissants de la guerre, les partis politiques, tout ça, finalement, c'est très en retrait, et il y a des choses qu'on apprend qu'à la fin ou qu'on apprend vraiment pas. En fait, je trouve ça vraiment très intéressant que tout ce qui va concerner l'intrigue politique, alors même que c'est ce qui motive le voyage des personnages, finalement on nous en parle très très peu, ou alors on nous en parle qu'à la fin, donc ça c'était intéressant. Et voilà, ça c'était juste quelques exemples, et vraiment du coup je vous encourage à le lire parce que c'est vraiment très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si comme je vous l'ai dit j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs. En fait je pense que vraiment le livre aurait gagné à faire 100 pages de moins. Le roman se termine sur une sorte d'immense tension dramatique où on n'a vraiment qu'une envie, c'est avoir le tome 2 sur la main pour savoir en fait. Donc voilà, c'était vraiment trop trop bien, je suis trop contente de l'avoir lu, et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Donc voilà pour le roman que j'ai terminé, et sinon j'ai deux lectures en cours, deux lectures qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Du coup pendant que j'étais en vacances en Savoie, j'ai commencé Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher, et j'ai lu une trentaine de pages, et vraiment j'aime énormément l'ambiance, j'aime énormément le style. Il y a un ton qui est vraiment unique et particulier dans ce livre, qui est à la fois... Oh, j'ai un petit peu abîmé mon livre, mince. Qui est à la fois drôle, tendre et en même temps un petit peu cynique, vous voyez, et que j'aime vraiment beaucoup. Sauf qu'en fait, c'est quand même une lecture qui est assez lente et assez, comment dire, c'est pas quelque chose qui se lit super facilement comme mon autre lecture en cours. Et du coup, bah, je lisais ça en même temps que Manesh et j'aimais pas trop parce que ça me faisait deux univers assez denses. Enfin, ça me faisait deux lectures assez denses en même temps, et je préférais prendre du temps pour être vraiment super concentrée sur celui-ci quand je prendrai le temps de le lire. Du coup, j'ai décidé de le mettre en pause et du coup, je le reprendrai quand j'aurai rien d'autre à côté pour pas être déconcentrée. Pour être vraiment bah, totalement à fond dedans, parce que je pense que c'est vraiment un livre qui mérite qu'on se pose et qu'on le savoure. Donc voilà, j'ai commencé ça mais je l'ai mis en pause, et du coup j'ai commencé une autre lecture, et c'est une lecture que je m'attendais pas à faire parce que vraiment je pensais que j'avais tiré un trait sur cette trilogie et que je lirais pas la suite parce que le tome 1 m'avait pas beaucoup plu. J'ai donc commencé le tome 2 de la saga Akotar, donc du coup Un palais d'épines et de roses, c'est le premier tome. J'ai lu le tome 1 l'année dernière et j'avais pas trop. En fait, j'avais beaucoup aimé l'univers. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'univers est super chouette. J'avais plutôt bien aimé le personnage féminin principal. En fait, dans la première partie du roman, il y a cette romance qui se met en place qui est pas palpitante. Et dans la deuxième partie du roman, il y a énormément d'action. En fait, l'héroïne traverse énormément d'épreuves.
Et j'avais pas particulièrement aimé ces passages en fait. Je les avais juste trouvés malaisants, mais je les avais pas trouvés particulièrement divertissants ou épiques. Donc du coup, j'avais pas envie de lire la suite. Surtout qu'en fait, je m'étais spoilée sans faire exprès. Et du coup, j'avais vu quelque chose qui va se passer dans le tome 2 et qui du coup m'a fait remettre en question tout ce qui s'était passé dans le tome 1. Et c'est vraiment un schéma narratif que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ceux qui ont lu la trilogie, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Et ça m'avait totalement du coup dégoûtée de lire la suite. Alors que vraiment, j'aimais bien l'univers. J'étais quand même curieuse de savoir ce qui allait se passer par la suite. Bref, du coup, tout ça pour dire que j'avais décidé de pas lire la suite, mais finalement, c'est Morgane, du coup, toujours Morgane de la chaîne Histoire des mots, qui m'a convaincue de lire quand même le tome 2 parce que c'est une de ses trilogies préférées. Vraiment, elle adore, elle le conseille tout le temps. Et elle m'a dit vraiment lis le tome 2 même si t'as pas aimé le tome 1 parce que même le truc que t'aimes pas, le changement, voilà, le... Je pense que vous voyez de quoi je veux parler si vous l'avez lu. Même ce fait-là en fait qui peut paraître un petit peu voilà bizarre quand t'as pas les détails, et bah une fois que t'es en train de lire le tome 2, tu comprends ce qui se passe, tu comprends comment c'est amené et du coup c'est en fait c'est bien, c'est pas nul, c'est bien. Bref, du coup elle m'a convaincue de lire le tome 2, j'ai commencé ça hier je crois et j'en suis à la page 149 et elle avait raison parce que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire. Pour l'instant je l'aime vraiment beaucoup plus que le tome 1, après je suis même pas à un tiers du livre donc du coup voilà, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Donc avoir les développements. Mais j'aime beaucoup les choses qui sont mises en place au début de ce tome 2, les problématiques qui sont posées notamment au niveau du développement du personnage, enfin au niveau du développement du caractère du personnage principal, je trouve ça vraiment intéressant ce qui se passe dans ce tome 2. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, en plus ça se lit vraiment bien, c'est vraiment agréable à lire. Donc voilà, je vais continuer ça, ça va être ma lecture pour les jours à venir. Donc voilà, bah du coup je vous reprends quand j'aurai un petit peu avancé dans mes lectures et voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est dimanche et hier soir j'ai terminé le tome 2 de Akotard, donc du coup avant de conclure le vlog je voulais vous en parler un petit peu. Alors par quoi commencer? Je pense que je vais spoiler un petit peu dans un moment de la chronique, donc du coup je vous dirai à quel moment ça spoilera et de toute façon vous pourrez arrêter le vlog à ce moment là puisque après je vais juste conclure le vlog et aller le monter, enfin bref. Donc alors du coup pour mon avis général sur ce tome 2, et ben je l'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai largement préféré au tome 1 que j'avais trouvé vraiment... Bah, à part l'univers qui était sympa, tout le reste je l'avais trouvé assez bof. Et là ce tome 2, seulement il se lisait vraiment super bien, mais en plus il y avait vraiment une super bonne, une bonne énergie qui se dégageait de ce livre et il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées. Déjà au niveau des personnages, dans le tome 1 les personnages ils ont pas de charisme, enfin à part le personnage principal qu'on sent vraiment elle est badass et tout, faut juste qu'elle se révèle un petit peu, les autres personnages ils ont vraiment zéro charisme à part un personnage que du coup on retrouve dans le tome 2 et il y a plein de nouveaux personnages qu'on rencontre dans le tome 2 qui sont vraiment trop cool, qui sont vraiment géniaux, qui pour le coup ont vraiment une identité, il y a des relations, enfin il y a une dynamique entre les personnages qui est super sympa, il y a aussi tout ce côté groupe d'amis super soudés, vraiment une famille, quelque chose de vraiment super, de super sympa et de super touchant qu'il n'y avait pas du tout dans le tome 1. Donc c'était vraiment super cool de rencontrer ces personnages et de voir du coup notre personnage principal s'intégrer dans ce groupe, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi tout ce qu'on découvre de plus sur l'univers, vraiment l'univers, je trouve que c'est un des points forts de la saga. Alors j'ai toujours une petite frustration dans le young adult parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, enfin il n'y a pas assez de choses qui sont développées alors que moi j'adore quand il y a un énorme travail sur l'univers, quand on nous donne plein d'infos, mais bon bah ça c'est du young adult donc du coup je vais pas critiquer le livre pour être ce qu'il est, mais voilà, du coup j'ai beaucoup aimé l'univers, en découvrir plus même si j'aurais voulu qu'il y en ait encore davantage, donc voilà ça c'était chouette et j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé la fin, alors la fin non, je vais rapidement passer à la partie avec spoil, mais je dis juste ça pour conclure la partie sans spoil. À la fin du coup vers les 50 dernières pages il commence en fait à y avoir une tension qui se met en place où en fait les personnages principaux vont partir dans une mission, quelque chose d'assez périlleux, et tu sens en fait qu'il va se passer un truc, vraiment tu le sens venir de loin, que va y avoir un truc qui va se passer, et vraiment je vous assure qu'en lisant les dernières pages, j'étais pas bien en fait, presque je les lisais à contre-coeur parce que je me doutais qu'il allait se passer quelque chose, enfin de toute façon c'est la fin du tome 2, donc du coup déjà de base tu te doutes qu'il va se passer un truc, mais là vraiment je sentais qu'il allait se passer quelque chose, et en fait t'aimes tellement les personnages, tu veux tellement qu'ils soient heureux, que j'avais pas envie de lire les pages parce que j'avais pas envie qu'ils se prennent ce... Bah voilà, qu'il leur arrive une nouvelle tuile, donc voilà, les dernières pages étaient assez prenantes, et du coup à la fin du tome 2 t'as qu'une envie, c'est de lire le tome 3. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, alors il y avait quand même 2-3 petites choses qui m'ont dérangée, notamment j'ai trouvé qu'il y avait étonnamment, il y avait eu quelques longueurs, il y a eu quelques moments où je m'ennuyais, j'étais là oui bon c'est bon ok on a compris tu t'entraînes machin, il y avait quelques clichés, il y avait 2-3 actions qui étaient assez attendues, mais malgré ça, ça reste vraiment une très bonne lecture, et vraiment ce que j'ai préféré c'est le développement du personnage principal qui vraiment, qui prend de l'ampleur, qui
qui se découvrent, qui se... Bah voilà, qui... Et en plus, il y a toute une réflexion sur la psychologie, sur comment gérer son traumatisme, comment gérer la dépression, etc. Enfin, comment gérer la dépression, enfin, c'est pas vraiment le terme de gérer, mais comment vivre et dépasser tout ça quand on a vécu un traumatisme. Et j'ai trouvé que c'était assez bien traité, et voilà, bref, globalement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour la chronique sans spoiler, et du coup, bah pour ceux qui veulent pas avoir les spoils, je vous invite à arrêter le vlog ici, parce que voilà, après, il y aura que des spoils et la conclusion. Donc voilà, bah du coup, merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que ce vlog vous a plu, et à très bientôt. Dans 5 secondes, on passe au spoiler, donc du coup, si vous voulez pas être spoilé, il faut quitter le vlog maintenant. Donc voilà. Alors en fait, quand j'avais lu le tome 1 et que je m'étais spoilée, même, bon, je pense que vous l'avez compris, j'avais vu que en fait, dans le tome 2, Fer quittait Tamlin et se mettait en couple avec Rhysand. Et vraiment, j'aimais pas du tout ce schéma narratif de l'héroïne qui est super amoureuse d'un personnage dans le tome 1, et dans le tome 2, elle change de personnage, enfin, elle tombe amoureuse d'un autre personnage. Ça me paraissait, enfin vraiment, je comprenais pas, surtout que dans le tome 1, elle se met quand même en danger de mort pour un personnage, par amour pour un personnage, et du coup dans le tome 2 ça annule tout ce qui s'est passé dans le tome 1, enfin vraiment ça me gênait vraiment cette vision du personnage, cette vision de l'amour et du couple, ça m'avait vraiment, j'étais... Bah non, enfin non, on fait pas ça. Et en fait, heureusement que Morgane m'a convaincue du coup de lire le tome 2, parce que en effet, quand on arrive dans le tome 2 et qu'on voit ce qui se passe en fait entre Tamlin et Fer, on comprend en fait qu'elle le jette. Parce que vraiment, Tamlin, ce mec, c'est un immense... Voilà, bref, il est horrible comme personnage. Déjà, il a le charisme d'une moule dans le tome 1, mais là, dans le tome 2, il est juste détestable, en fait. Et vraiment, je trouve que tout ce qui est mis en place sur bah, la psychologie des personnages, le fait qu'elle soit traumatisée, qu'elle souffre de dépression, clairement, je pense que c'est un peu ça qui se passe au début du tome, et que lui, il l'emprisonne, ça justifie. Enfin, en fait, on voit vraiment l'évolution, c'est vraiment crédible. En fait, ce qui me faisait vraiment peur, c'est que ce passage du couple Fer-Tamlin au couple Fer-Rhysand soit pas du tout crédible et soit un petit peu genre une grosse ficelle qu'on tire dans la narration, parce qu'on a plutôt envie de la mettre avec un autre personnage. J'avais peur que ça soit pas crédible, et finalement je trouve que c'est tellement bien amené, c'est tellement bien construit, que finalement ça devient évident et ça devient voilà logique. On sait qu'elle doit être avec Rhysand, et que Tamlin en fait c'est voilà, c'était une erreur de parcours. Enfin, c'est pas une erreur de parcours, je trouve que c'est bien l'explication qu'elle dit à un moment, qu'elle était traumatisée, qu'elle avait peur et qu'elle était prête à tomber amoureuse de n'importe qui l'aimerait en retour et qui la protégerait. Je trouve que l'explication était très bien construite et très bien amenée, et surtout que c'était bien justifié dans la narration, ça faisait pas explication qui tombe du ciel pour permettre une meilleure romance, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà du coup pour mon avis sur le tome 2 d'Akotar, bah du coup je pense que ça va être tout pour ce vlog. J'ai prévu de lire le tome 3 début mars, donc ça va être un petit peu compliqué le début mars parce que j'ai plein de lectures en cours, mais comme c'est que des choses qui me plaisent beaucoup, et bah je pense que ça va le faire. Donc voilà. Bah du coup j'espère que ce vlog vous a plu, n'oubliez pas, j'ai prévu de faire un live mercredi je crois, oui c'est ça, mercredi, je sais plus à quelle heure, je sais plus si j'ai mis 17h30 ou 18h, mais de toute façon c'est déjà affiché dans mes vidéos à apparaître bientôt. Donc voilà, bah du coup j'espère que ce vlog vous a plu, je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.